C'est à Glonanger Barbecue a ramassé moun qui mouri dans Delma 6. Et c'est à Glonanger Toa côté cadavre. Et c'est là la société dans une vidéo aujourd'hui là, il était vraiment triste réellement et on va les chasse pour tant regarder tout. Mesdames, mademoiselles et messieurs, Barbecue a montré comment que la police nationale d'Haïti est à pété balle son madame. Il y a des gens qui disent c'est ma tante li, moi-même je ne vais pas dire ça. Je n'ai pas d'information, je n'ai pas de preuve. Mais moi, il y a une image côté que pendant la police a mené opération dans Delma, et bien finalement, il y a une madame qui est touchée par balle, elle prend balle dans le pied et elle est triste. Pour que j'aime garder la dame, elle a souffert. Même si elle a dit que la dame n'a pas de zam dans elle, elle n'a pas de gagne. Mais monsieur, avant nous, là, il y a un bagage que nous avons compris. Est-ce que nous avons une quantité de bandits qui mourent? Est-ce que par exemple, il y a des gens qui étaient dans cette zone là et puis les bandits ont examiné pendant que les chats viennent et ont tiré? Si les chats tirent balle, ils touchent les gens, est-ce que ça veut dire que les policiers veulent faire? Ou dites tout, est-ce que c'est même cas de figure que nous voyons? La police voit madame dans deux mètres de pied et puis ils tirent et presque mourent. Il faut dire que même pas l'expliquer. Mais c'est là la société, bon problème là dans la République dominicaine. Il y a plusieurs villes en République dominicaine qui sont infectées avec la maladie SIDA. En pile monde, il y a SIDA. C'est plus passé 3000 personnalités, je vais me dire comme ça, 3000 chrétiens vivants qui ont SIDA en République dominicaine. Et selon le dernier test, le dernier mouvement qui fait, il y a finalement pas loin que les gens SIDA dans une conjoncture extrêmement difficile. En pile, c'est pendant faire sexe. En pile, tout, c'est pendant faire activité personnelle. Et puis finalement, il y a SIDA. Nous connaissons que la santé en République dominicaine, c'est un bagage qui est extrêmement difficile pour Haïtiens. Nous avons un gros message pour Haïtiens dans le cadre de ceci-là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, le journaliste Johnny Ferdinand, monsieur prend le soin pour le parler dans le cadre d'un dossier qui concerne l'IAN, surtout, il était supposé dépasser qui était payant pour aller dans le 79e rencontre ordinaire, ou bien rencontre ça, que les Nations Unies donc, a organisé. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, Johnny Ferdinand, bah, tout détail, je t'ai expliqué ça, bagalaï. Rebonjour, rebonsoir à tous, est-ce que nous en forme, c'est notre Kembe? Nous connaissons déjà, nous sommes maman Bembacha et Bakot Lampé et Poté, hein? Nous sommes battre nouvelle là. Nous partis. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24h sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. Chef gang Dimitri Rizzi alias Barbecue, sorti, bagala compliqué pour lui. Chef gang l'a retrouvé dans une situation, mesdames, mademoiselles et messieurs. Côté la crié tant que petit bébé jodi, hein. Après la police continue fin mener ou ap mener opération côté là et mette balle dans le cerveau plusieurs chefs de gang li. Mesdames, mademoiselles et messieurs, le 6h du matin, côté opération était engendré. Opération était ababine. Opération casse pas campé qui t'a tamé, qui t'a mené. Surtout dans cette ville-là, mais quand très tout qui était passé dans la zone d'Elma, et là, ils ont passé sur la route d'Elma, ils descendent dans 6, ils descendent dans le bas d'Elma, ils voyaient qui sont allés. Dans le moment où ils ont parlé à l'arme, mesdames, mademoiselles et messieurs, plusieurs. Donc, on dit comme ça, le chef de gang était là, on va là encore. Barbecue, tu as filmé une vidéo, une dame qui malheureusement touchée par balle, elle t'a expliqué ses états. La police nationale d'Haïti qui décidait personnellement li ata tirer dame ça. Monsieur a reproché la police parce que la police pas jeune dame n'a rien. Selon lui-même, il va pas supposé ça. En tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, la gars a vraiment paraît un petit peu triste. Et mais parce que nous pas de trop juger avant, faut que nous questionner et faut que nous essayer garder normalement. Est-ce que la police a le choix dans position où t'es, qui ça t'es gagné comme possibilité? Qui s'est gagné, qui s'est quitté bon. En tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, ils sont évidents. Il faut que nous informons dans tout dernier niveau et dans toute dernière rigueur. On va monter sur le groupe Telegram, non? On va voir la vidéo ça. Il y a tellement de choses, malheureusement, on n'est pas capable de permettre à ce que vous joignez la vidéo ça à côté là. Maintenant, si tu as très courte,
ou pas jeune toute dernière information ça haut. Mesdames, mademoiselles et messieurs, avant même moi botter des barbecue, m'a informé au dans Igwe. Bah la compliqué. C'est plus passé 3500 et personnalité, mais 3500 moun qui retrouvé dans situation côté que au gain sida et sida, il paraît comme monde courant en bas en République Dominicaine. Qui ça qu'a passé? Haïtien yo, moi j'ai un gros message pour nous. Li important, li évident, faut que tout fasse pile prudence parce que sida a propagé. Sida terrible. Et pas des monde qui gè sida l'autre bossa et baga la terrible madame mademoiselle c'est monsieur. En tout cas, m'a profiter dit avec haïtien yo. Donc en fait tout ça que nous plutôt tout ça nous capable pour gérer problème ça. Maintenant, nous dans le cadre de d'Akadi bagaille ça qui gè rapport avec le journaliste Johnny Ferdinand et qui lui-même sorti dans le silence lui en alcouté. Un point sur cette fameuse liste qui t'a circulé depuis jeudi matin jusqu'à hier encore, moi j'ai une chance ouel sur plusieurs forums ou bien des monde qui te voyaient ban moi. Oui bah on a dit matin hein, c'est que c'est pas vrai liste là. Dans ce sens, nous disons pas vrai liste là. Liste qui est vraie, elle doit gagner plus de monde toujours. Ce n'est pas vrai liste là parce que les gens qui doivent voyager, qui ne viennent pas voyager encore. Ce n'est pas vrai liste là parce que les gens qui mettent sur liste là qui ne peuvent pas gagner pour avec voyage là, par exemple. Moi, je vais être guerrier du seul sur liste là, alors que guerrier du seul ne peuvent pas gagner pour avec voyage là, et puis tout. Le gros bon sens. Guerrier du seul, c'est Ben Leader. Espace ça qui est les premières occasions Grand Boulevard. N'en déplaise à Ronald des hommes qui fait qu'on rejoigne nous depuis 10 premières occasions depuis un certain temps là, c'est guerrier, c'est moi-même. Donc si Mbappé là, guerrier va absent. Si guerrier est absent, moi je suis là. Nous tous les deux sommes absents en même temps. Ça ne doit pas faire journal Vatican. Un journal qui est une importance capitale, c'est M. Moussignac. Pour le pays. Pour le pays. Ça ne doit pas le faire. Donc le gros bon sens, c'est qu'à Guetta, on conclut ça. C'est soit yon ou l'autre, c'est soit moi-même battre là, ou bien guerrier battre là. Mais malheureusement, et non guerrier, Gredlet. Oui. Dans liste là. Et si nous devons prendre délégation haïtienne dans son ensemble, que ce soit moun qui t'a accompagné pour le ministre Gary Conille, que ce soit moun qui t'a accompagné Edgar Leblanc-Fils, bon garantie la République est saisie parce que liste la plus longue que ça aurait qu'à circuler là. À savoir qui est-ce qui t'a participé, à qui titre, qui ça a été gagné comme responsabilité ou bien t'a gagné comme responsabilité, nous pas connaît. Mais liste ça dehors avec une fixation pour les journalistes. Peut-être qu'on raison pour ça, peut-être qu'on côté ou devait orienter opinion. Ce n'est pas deux flèches qui viennent en direction de Ronald des hommes. Je bon menti si moi la pas bon de jeudi jusqu'à matin là ou dingue doit briller la même façon m'attendre. Au sud. Tellement moi frère. Oui. Et yeah. Pas débat moi pas ouais sur internet là. C'est pas débat qui pas dit et me sous plusieurs forums. Il y a deux forums yo connais là. Mais il y a deux forums yo pas connais sim là. Mon wè échange yo, mon wè sa kap di yo, etc. Gen ba yon mwen wè mli mri, gen ba yon tout. Kon di ancien président Jovenel Moïse ta ka di, lè mwen venant de cham gade nan glas la pou mwen eskise de mwen ap pale. Ou kompren? Men kom nou kompren dinamik rezo sosyal yo depi un certain tan, e nou konen ti moun pale nan jandam, important se bien chita pou bien chita. Sou pa bien chita, nèpot ki yes, ka gade an ba ou. Avant d'aller plus loin, je voulais vous un gros coup de chapeau au passage pour Teriel Telus. Et je vais dire pour ça rapidement. Dans tout journaliste ou bien confrère, dans tout le monde qui gagne show, grande écoute sur internet là, Teriel Telus c'est l'unique monde guerrier Ronald qui te voyait l'islaban moins. Et puis, il posait une question sur lui. Je t'ai conduit, je me dis, il est
Il te relève tout de suite. Il dit, monsieur, mon cher, un, deux, trois, mais ça va aller là. Après ça, tout l'autre monde qui parle sur le dossier des confrères, c'est malheureux. Il y a un peu de gens qui ont un bon rapport avec eux, des rapports très courtois, des rapports privilégiés. Donc, pour résoudre pour l'autre, il a décidé de l'arrêter. Alors, moi-même, il y a Azael qui t'a contacté. Il y a un terrier de l'usse. C'est l'unique monde qui t'a écrit d'abord, ensuite, il a dit qu'il a été relim. Et nous avons échange sur le dossier ça. Et honnêtement, on a les hommes. Guerrier du seul, il y a des gens qui conseillent moi et qui me parlent de moi. Pour me juste venir là et me faire travailler, moi, quitter le marché. Peut-être que l'histoire t'a pris à juger. Est-ce que les gens qui te fait tel commentaire t'a raison? Est-ce que le bad a raison? Mais, je suis obligé de faire le contraire. De ça, les gens qui conseillent. Que ce soit mon radio ou de l'autre ami qui proche. Je n'ai pas fait blackout sous parole. Juste quitter les réseaux sociaux la frappé. Parce que ici, c'est dossier qui entre dossier. Avant deux semaines, je dois oublier. Mais, par respect, je gagne pour auditeur mieux. Par respect, je gagne pour internaute mieux. Par respect, je gagne pour des amis qui ont fait crime. Quand dit qu'il s'avère là hier m'obliger quand même bail et version pas loin de toute idée pour me venir justifier pour comprendre ou bien faire polémique pour me venir comme si faire me passer pour plus beau non m'a ban nous exactement ça va là d'ailleurs tout le monde qui côtoie de plus près plus gros défaut me gain c'est que moi me sincère OK si me font tintin m'a dit me font tintin font bon bagarre m'a dit me font bagarre et m'assumer tout choix qu'on fait dans la vie. Par contre, vous comprenez, on a les hommes. Et il y a des gens qui attendent là, c'est des gens qui quittent le sommeil, qui quittent l'activité, qui quittent le dormir, qui attendent. Et plus de 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui attendent chaque matin sur différentes plateformes radio-télévision Caraïbes. Mon capitaine de nous à travers la ville de province via les différentes stations de radio qui relaient nous mon capitaine de nous sur 94.5 yo en pile yo tout pas forcément remet nous mais yo prend plaisir d'entendre nous soit pour critiquer nous soit pour encourager nous soit pour apprendre des bagages le par respect pour mon ça on passer les important matin pour nous faire point ça guerrier Dieu seul c'est pas l'évangile nous va le prêcher là et que n'a juste fin parler n'a dit amen et puis d'être non nous Dieu s'abdil parce que nous même nous pas jamais parler et nous espérer à the end of the day ça capable aider moi voulais nous noter matin madame monsieur intervention là précision m'bra le porter là yo pas inscrit dans aucune logique de polémique comme si vous venez répondre des monde qui dit des bagailles ou bien qui fait des bagailles dans quatre dossiers ça veut des monde tout qui lancer des flèches en direction de Johnny Ferdinand. Ferdinand, pardon. Loin de là. Nous pas venir là tout pour nous alimenter zin, on va alimenter parole en pile qui a fait autour de questions ça. Y a un monde libre pour l'apprécier ça qu'a dit yo, pour l'apprécier ça loué yo. J'avais. Pas problème, il y a droit ça. Pour l'histoire et pour la vérité, Johnny Ferdinand t'est doué dans délégation officielle qui t'a quitté le pays d'Haïti à destination de New York pour aller participer dans la 79e édition ou bien session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies. Pour l'histoire et pour la vérité, Johnny Ferdinand t'est dû voyager dans quatre voyages officiels, ça à titre de journaliste pour le compte de Radio-Télévision Caraïbes. Pour l'histoire et pour la vérité, moi, je dois quitter le pays le week-end. Le week-end qui s'est passé. Il est déjà vendredi, il est déjà samedi, il est déjà hier, dimanche. Maintenant, la grande question. Pour qui ça c'est Johnny Ferdinand? Pour qui ça c'est pas un autre? Comment Johnny Ferdinand fait un voyage officiel ça? Qui est-ce qui invite-t-il? Etc. Moi, je voulais noter ça.
Radio-Télévision Caraïbe comme institution recevoir une invitation de la primature. OK? Pour ouvrir et ensemble activité que notamment le Premier ministre Gary Conille a gagné pour les mener ensemble de rencontres, de réunions, pour qu'il a bien pour le faire en marge souvelée de l'Assemblée générale des Nations Unies. Radio-Télévision Caraïbe, via sa direction générale, soumet Bagala par la direction information. On a parlé de directeur information et guerrier du seul, et puis co-directeur information et Michel Joseph. Donc il était question pour joindre un journaliste pour représenter Radio-Télévision Caraïbe en délégation. Et puis, il a analysé, il a réfléchi, et au final, on a des hommes, il a jeté dévolu sous moi. Et ont décidé que c'est moi-même qui pourrais aller représenter Radio A dans quatre voyages officiels. Donc, ce n'est pas la primature qui informe mon vent, ce n'est pas la primature qui prend contact avec moi, ce n'est pas le premier ministre, ce n'est pas le chef cabinet, le premier ministre, etc. C'est Radio Télévision Caraïbe, côté ma travail là. OK? Qui informe que vous faites choix de moi pour moi voyager dans le cadre d'une délégation officielle, qui a bien pour quitter le pays pour aller aux Nations Unies. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas le peuple à mentir. Je suis ému. Je suis ému pour plusieurs raisons. Je vais vous donner deux là-dedans. Ému et content à la fois. Ému parce que, comme journaliste, mon carrière quand même, après un certain nombre de temps, je n'aime pas faire métier ça encore. Je vais essayer de garder pour moi. Qui est le plus gros événement que je suis arrivé à couvrir, qui est la plus grosse activité que je suis arrivé à participer comme journaliste. Même Jean, Radio a décavé à le couvrir. Ou guerre qu'a fait. Bien sûr que oui, depuis que l'on a fait dans notre pays. Côté monde civilisé à vivre. Vous comprenez? Je ne suis pas bon, je suis content, je dis que dans la carrière journaliste, je vais couvrir l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est un gros bagage pour moi. Et désolé de le dire, mais c'est la vérité. Ils sont belle opportunité là. Au moins, je vais bien pour me raconter petit moi, ou bien je ne vais pas faire journaliste encore. Et puis, moi fait l'autre bagage, je dis ah, j'ai l'aime des journalistes, j'ai une chance d'ouvrir telle activité, j'ai une chance d'aller dans telle activité, j'ai une chance d'ouvrir tel événement, etc. Et je crois que les jeunes journalistes dans la génération, dans la tranche l'âge où on a des hommes, à moins que le empêchement majeur, qui a une possibilité pour la sur et couverture, un événement mondial, pour l'Assemblée générale des Nations Unies, vous l'avez refusé. Ça, c'est pour vieux bagaille. Et je le dis à qui veut l'entendre. Deuxième bagaille, on a des hommes. Moi, pour que je voyage aux États-Unis d'Amérique. Je pense que tu as pour opportunité. Vous comprenez que Johnny, c'est vrai, c'est avec la délégation, mais effectivement, pour voyager aux États-Unis. Yeah. Et moi, certain, c'est sous base à tout. Moi, certain, c'est sous base à tout. Direction générale radio a fait choix de moi. Il t'a choisi Peterson Lixama, par exemple. Il t'a choisi et McGerson Philistel. Il t'a choisi n'importe quel autre journaliste. Je ne comprends pas, vous comprenez. Et demain, si Dieu veut que nous avons notre activité sur le journaliste choisi, il suffit que Radio Télévision Caraïbe soit décidé de même pour la couvrir l'événement ou bien recevoir l'invitation. Ils avons l'autre journaliste. L'année prochaine, nous avons l'autre niveau, etc. Donc, cette année, Radio Télévision Caraïbe a fait choix de Johnny Ferdinand pour lui représenter le cadre de délégation officielle qui a quitté le pays à destination de New York. Pour moi-même, c'est un privilège comme jeune journaliste. Pour moi-même, loin de toute idée pour me faire le travail avec Primature. D'ailleurs, je ne vais pas travailler avec Primature. D'ailleurs, ce n'est pas Primature qui t'a invité. D'ailleurs, ce n'est pas Primature qui t'a réveillé les mouchita avec. Mais dis-toi de non, je n'ai pas bénéficié de tel bagaille ou même je vais nous faire en retour. Non. Direction radio, direction information, ils ont décidé de dire, mais ça vous recevoir comme invitation et que c'est moi-même qui prends et représenter Radio Télévision. Maintenant, guerrier Dieu seul. Et est-ce que ce bagage inédit, ce bagage qui arrive pour la première fois, on peut poser n'importe qui est-ce question ça là. À moins que monde n'a pas connu, mais depuis monde connaît l'abdou, non, on a des hommes. Inédit dans le sens que c'est pas la première fois journaliste a accompagné des délégations officielles. Yeah. Et c'est pas la première fois Radio Télévision Caraïbe a bien des journalistes qui ont présenté le non série de délégation. Et c'est pas la première fois Radio-Télévision Caraïbe a voué journaliste dans les Nations Unies.
C'est la première fois. Maintenant, pour qui ça a ça, il fait scandale. Est-ce que c'est parce que c'est Johnny Ferdinand ou bien est-ce que c'est parce que c'est pouvoir Gary Kodé? Je ne sais pas. Mais à aucun moment, moi-même, pendant la carrière journalisme, je ne connais que le ton bagage illégal que un journaliste haïtien représente médial dans le cadre d'une délégation officielle. Je vais vous donner un exemple. Bon, le bon réunion de rédaction qu'a fait dans la radio télévision Caraïbe, les ça nous étions à la rue Chavannes. Et bien, on était accrédité dans le palais national et on était fait un petit temps sous privé. Après ça, on était officiellement accrédité dans le palais national sous Jovenel Moïse. Et puis, on me fait une blague. On dit, monsieur, ouais, les gars, deux, oui, moi, nous voyons. Je souhaite les États-Unis, nous voyons tout. Ouais. Parce que les présidents déplacés, etc., comme c'est moi-même qui est accrédité. Vous comprenez? Mm-hmm. Toujours déplacé avec le président. Ouais. Toujours dans la délégation du président, les Lalan province, par exemple. Ouais. Et je fais blague là, je dis comme ça, je souhaite les gars à l'étranger tout. Je ne comprends pas. Vous comprenez? Je ne pas ça pour me dire que il n'y a pas de gens qui ont discuté en battable. Ce n'est pas ce qu'on fait déjà. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, ou bien vous venez avec des éléments. OK, qui prouvait que son bagage qui est illégal, moi-même jusqu'à présent, je ne vais pas commettre aucune faute. Maintenant, autre précision qui est importante. Puisque son voyage officiel, ça, nous devons retenir. De l'émission du passeport, passant par les demandes de visa, les frais de per diem, jusqu'à l'accréditation aux Nations Unies, c'est l'État qui s'en charge. Yeah. Ouais. C'est l'État qui s'en charge. Et ça, il n'est pas en secret. Peut-être que mon n'y pas connaît. Mais quand pile moun moun wè k'ap pale d'abala, yo konnen pertinemment. C'est l'État. Et comme c'est l'État qui s'en charge, madame, monsieur, par conséquent, il y a des formalités à remplir. Et moi-même, une fois que je suis désigné par Radio Télévision Caraïbe, tout ça est fait comme suivi, est fait avec l'État. Et ça, moun yo dwe konnen. Il y a trois institutions qui sont impliquées là-dedans. Il y a la primature. Il y a le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Il y a la direction de l'immigration et de l'émigration. Ou aller, c'est là pour vous demander un conseil d'information, etc. Ou aller dans le ministère des Affaires étrangères pour vous monter dossier, demander photo, amener l'immigration jusqu'à ce que la boucle est bouclée et puis vous décidez de faire ça et puis aller. En tout cas, et ça a étonné parce que c'est jeudi à quelqu'un qui est au courant. Mais plus d'une fois, malé dans l'institution, ça yo. C'est pas dans lundi, non, malé. Ouais, c'est dans des heures de bureau, côté tout citoyen ordinaire qui a passé, oui. Le mal dans primature, c'est pas veille, ma veille, qui côté mon pape pour me passer. Le mal dans ministère des Affaires étrangères, moi passé normalement, me présenter mon qui connaît, et puis yo orienté vers la direction des affaires consulaires, etc. Il en est de même pour la direction de l'immigration et de l'immigration. Donc, il y a des gens qui ont frappé l'estomac qui dit qu'il y a une sauce, mais estimé qu'il y a un travail sur la matière à l'avance. Mais bon, si ça a monté de Pounel. Puisque, et par été comme ça, après, ils ont voyagé, il y a des formalités à remplir. Et les formalités pour remplir, ce n'est pas là qu'il y a une goutte. Donc, tu es contacté par des personnes et compétentes en la matière au niveau de différentes institutions, ça y est. Comme ça, tu cites là. Ou dire, monsieur Johnny Ferdinand, moi c'est un tel, je travaille dans tel service, dans tel bureau, ok, moi je suis de la part de tel bagage, dans tel dossier, mais ça nous besoin, ou bientôt vous avez rendez-vous à telle heure pour faire tel bagage, Mais malin, primature par exemple, moi stationne machine, moi je monte à pied, je passe côté pour prendre 4 visiteurs, moi je dis dans quel service je vais aller, si c'est secrétariat général, si c'est madame Legrand par exemple, mais je vais si c'est service protocole là, et qui te me salue au passage. Ensemble d'employés dans l'institution ça y est, qui était bon moi accueil chaleureux, notamment les employés de la primature au niveau du service de comptabilité. Nous faisons mille belles photos ensemble, vous comprenez? Et c'est des gens qui encouragent, parce que à chaque fois, je viens dans le moment, je me dis est-ce que je vais continuer, mais j'ai envie de faire ça, raviser moi. Quand je dis que je suis là, je suis habitué dans le monde, si vous reprochez, je vais vous reprocher, mais si vous critiquez, si vous encouragez, avancez! Pense, vous comprenez? Donc, moi, saisi, moi, je ne sais pas si je suis un déjà. Moi, saisi, c'est jeudi, oui. C'est jeudi, moi, mon courant. Pourquoi vous comprenez? Pourtant, plus d'une fois, mal primature, mal immigration, mal et ministère des Affaires étrangères. Par contre, vous comprenez? Et tout, allez mal primature, pour l'histoire et pour la vérité. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand, non?
Mba j'aime pas la avec lui. Le directeur du cabinet du premier ministre, pendant deux fois, de loin, oui, il salue nous parmi la foule. Mais c'est pas un monde qui parle avec lui, qui parle avec lui, etc. Non. Il y a des services qui pouvaient suivre, etc. Je n'avais pas de monde qui est sous service ça. Oui, bon, je me suis dit, oui, c'est jeudi, je suis au courant. Mais pour moi-même, le fait que ce n'est pas fait la nuit, ce n'est pas fait en bas de table, ce n'est pas fait en catimini, et je ne suis pas camouflé. Vous comprenez? Je me suis dit, oui, que c'est jeudi seulement. Ah oui. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, et ça fait le mois, on m'a lagué l'histoire sur un coup de premier. Je me suis dit, lol, je ne suis pas un bagage. Au bout de moi, je suis en retard. Est-ce que je garde socialement qui est proactif? Vous comprenez? Je te dois comme ça déjà. Et je ne vais pas me mentir, si je tombe avec l'illégal, mes amis, je suis toujours imbécile, mais je ne suis pas le plus imbécile des imbéciles. Vous comprenez ce que nous là? Parce que je ne vais pas faire si effectivement je devais faire un bon. Mais comme ce n'est pas tempérament, pas moi. Mais on se comprend. Jeudi après-midi, je recevais un appel d'un cadre d'imprimature. Allô, c'est M. Ferdinand. Je me dis oui, madame, c'est M. Ferdinand. Il dit malheureusement, j'ai un petit souci. Et un ensemble de passeports, l'ambassade l'a pas voyé. Et parmi eux, passeport là. Mais il y a une diligence qui peut être faite au plus haut niveau pour qu'on ait ça passé. Je dis ok. On continue avec la fin. Et puis en fin d'après-midi, je suis en l'autre appel, donc 4 Gibiro, l'institution. Il dit il écrit d'abord. Il dit salut, Johnny, c'est un tel, etc. Et puis il relève par la suite, il dit je suis vraiment désolé. Et pour ça, c'est eux-mêmes qui portent responsabilité parce qu'ils soumettent les documents trop tard à l'ambassade là. Et depuis nous, dans le ministère des Affaires étrangères au niveau de la direction des affaires consulaires, il y a des collègues qui étaient là. Je salue le président Jean Marco. Et au passage, mon dame qui était dit bon, bah, ça va aller trop tard. Parce que c'est maximum, d'après ça, le dit. Et 3 semaines à l'avance, bon, minimum disons, 3 semaines à l'avance, etc. Bref, donc, quand la relève, je me dis, et yo conscience, et yo même, qui est mon retard dans le dossier, etc., qui vient faire que je n'ai pas traité à temps par rapport avec les voyageurs. Donc, je suis vraiment désolé pour ça, pour le dérangement, voilà, c'est pas tant. Je dis, ça. Parce que c'est ton demande de l'État haïtien. Je dis, ça. Et puis la vie continue. Moi, juste à l'heure de la ferme, mais puis à mon grand étonnement, moi, ouais, toi là, prends du feu. Ouais, gros débat, frère. Ah, mon cher, toi là, prends du feu. Journaliste avec la tête à gauche à droite, mon après, le téléphone a sonné, etc. Oh oui, yo bay journaliste, refus, Johnny Ferdinand, je viens de refus, Balati, tel bay. C'est pas ce que tu veux. Ouais, c'est tellement rire. Je dis que ça a fait débat dans la société. Oui, oui, oui. Oh, Namzou là? C'est dans le monde, pas jamais. Pas jamais connaît que l'on délégation officielle a parti, il parti avec journalistes différents médias. Oui. Ouais, moi j'ai demandé pour médias l'État. C'est un coup c'est faut que médias l'État était là, il était doué là. Oui. Mais est-ce que c'est journalistes qui joue une invitation qui t'a pas le faire ou mettre médias l'État dans l'histoire? Hein? Non, parce que à ma connaissance, je toujours connais que grand ensemble de grands journalistes. Partisans tout côté, tout pays, qui toujours participent dans grande délégation, dans tout côté dans le monde là. Et ça fait dans le pays à tout. Donc, l'homme a des débats, même, monsieur. Débats, même. Son débat stérile. Son débat, même, puéril, même. Bah, ouais, comme si qui est important ce que ça a gagné, que c'est sur ça, on a capitalisé. Bon, peut-être c'est parce que. Bah, on est. Et donc, parce que c'est peut-être les États-Unis. C'est peut-être les États-Unis. Comme nous, on est un paquet de monde qui. On prend depuis les États-Unis. C'est dans le ciel, on va aller. Ouais. On prend. Elle dit si on a une possibilité pour visiter les États-Unis, OK, son paquet de bagailles. On va aller quoi, sauf qu'on fait. C'est dans sa gare qu'on est dit pour aller. Et puis il fait l'issue avec toutes les autres à la même. Et la gare qu'on est fait l'issue bonheur, tout le monde fait bonheur. Il prend devant ses pétés. Voilà, voilà que le gouvernement, le département d'État vient depuis le vin pour l'ancien Gensoulier. Parce que Haïti, c'est le seul pays sur la terre dans la gare qui a eu deux délégations. Il y a une délégation Edgar Leblanc a supposé gagner. Et puis il vient une délégation gare qu'on est. Mais dans deux délégations, il y a une qui est illégale. Et ça qui est illégal, c'est Gary Kony. Parce que Gary Kony n'a pas d'habilité pour venir parler là, sur le tribunal des Nations Unies. C'est Edgar Leblanc qui va parler comme président. Quand on a comme monsieur prend des vents, il fait un paquet de bagages, il fait des ordres avec l'ambassadeur haïtien qui est à l'ONU. Hein?
Et puis il fait des autres tours avec Dominique Dupuis. Il régler tout bagaille en faveur pal. Tout bagaille réglé en faveur monsieur. Qu'on y a le mono vin ou gen Haïti vin ça c'est gen deux délégations et comme qu'on y inscrit et alors que monsieur le dit c'est là bas et qu'on soit libre aller qu'on y vin paraître c'est lui même qui est officiel là qu'on a blanc il pas capable bailler deux délégations sécurité qu'on a depuis 14 ou 12 septembre me connaît que pas bailler gars blanc sécurité c'est gars qu'on y a bailler sécurité pas bailler gars blanc. Et secret service pas bail gars le blanc sécurité parce que toute bagaille au fait pour koni mais c'est le monde qui la diplomatie qui fait complot pour lui on a le blanc vient dit gars et Edgar le blanc il pas capable venir parce qu'il pas capable assurer sécurité gars koni mange à gratin gars koni vont hier dimanche là Edgar le blanc t'a gagné pour te rencontrer avec secrétaire général Nations Unies. Qu'on a Gary Conivon, on l'a dit la preuve là, c'est Edgar Leblanc. Qu'on a Deven Bouli, comme Chinois a bâti, c'est Chinois qui participe à la réunion. Parce que Nessie Volte est parti, et Nessie Volte est son président tout. Il représente la présidence. C'est lui-même qui participe à la réunion avec le secrétaire général à la place Edgar Leblanc. Mais Gary Conivon, il a envoyé l'aide la preuve là, c'est Edgar Leblanc. La poste ça. Qu'on a qui ça monsieur fait toute rencontre Edgar Leblanc te gagne pour rencontre bilatérale que Edgar Leblanc comme président pays a cap veut président tourne pour le moment il est président Edgar Leblanc c'est lui-même qui t'a supposé faire rencontre bilatérale ça Gary Conny prend tout c'est lui-même qui va le faire rencontre ça la place Edgar Leblanc bah m'a dit nous là bah moi connais 2-3 semaines avant ça, soit qu'on passe là, je connais 2-3 semaines avant. 2-3 semaines avant ça, je connais. Et la liste 6 journalistes là, il y a 3 qui arrivent parti. Et ça, même bon. Et bien, c'est que je ne vais pas montrer nous là. Il y a 3 qui. Je ne vais pas nous montrer nous là. Mais je ne vais pas montrer nous. Pour bien des raisons, je ne vais pas faire ça. Mais même, regardez, si vous avez un agent en Haïti, je vais vous dire. Tellement d'informations. Et Dominique Dupuis n'a pas aucun côté pour l'accompagner, Gary Conny. Parce que chef diplomatie haïtien, c'est Edgar Leblanc. Jusqu'à l'Elba et pouvoir, Léon Lopmoun va l'emplacer. C'est Edgar Leblanc qui est chef diplomatie. Donc Dominique Dupuis va gagner pour la délégation Gary Conny. C'est la délégation Edgar Leblanc pour le tailler comme ministre affaires étrangères. Il fait des ordres. Là, pas Gary Conny. Gary Conny a fait des ordres. Gary Conny a fait coup d'état pour monter c'est lui-même qui chef. Et puis Madame Dupuis accompagne l'un des ordres. Mais c'est Edgar Leblanc qui président. C'est lui-même qui poutait. Madame Dupuis, c'est Edgar Leblanc pour te accompagner. Ça a beaucoup. Semaine qui s'est passée, hein? 19 jeudi qui s'est passée là. Jeudi qui s'est passée là. Gagné et toute ambassade nous connaît dans le pays a débarqué dans le CPT. Bon, pour me finir, les autres viennent dire Edgar, ma vie n'a pas été salée. Les autres viennent dire Edgar, pas qu'à venir capable de sécurité. Et ça fait Edgar débat conférence dans l'aéroport pour dire qu'elle pas partir encore. C'était pour raison ça. On a bagarre la vie réglée. Et Yoda a quoi Edgar Leblanc sécurité Edgar parti demain. Edgar Leblanc parti demain. A dit donc le 26 c'est lui-même qui va faire discours sur tribune Nations Unies. Et Gary Conny toute bataille qui a mené là-haut, c'est pour le parler la place Edgar Leblanc. Tout ce qui fait là net c'est lui qui fait toutes des autres. On a besoin qu'on combien qui a parlé dans micro qui a parlé comme ça. Si nous battons le Gary Conny. Besoin qu'on ait.
Je dis que ce passé là, plus fort ambassadeur qui est accrédité en Haïti débarqué dans le CPT. Il débarque dans le CPT. Yo débarqué dans CPT a, yo vinn faire next CPT au compliment. Yo dit que tout bagay a bien marché, yo félicité next CPT. Transition a roulé. Tellement et CPT a bien marché. Mais yo dit gagné un seul petit problème. Yo dit trois conseillers yo faut que mettez sur côté. On parle des ambassadeurs qui tout puissant en Haïti qui fait ça au en Haïti. Jean ouvre les ouvre. Je te lance PTA jeudi a. Yo mandé pour mettre toi nèg à côté. Quand la nèg même dit et yo dit tout bagarre bien marché, bien fonctionné dans sens pa yo. C'est ça le problème ça qui gagne c'est scandale toi monsieur. Ambassadeur américain aller plus loin lui-même. Monsieur dit problème toi monsieur c'est bon problème administratif lié il dit et c'est les problèmes administratifs ou ka mette moun yo sous côté et puis si problème nan réglé après ça moun yo a tourné ambassade américain dit nèg CPT yo problème toi monsieur ça son problème politique lié. Ils disent son problème politique, faut que problème résoudre politiquement, faut qu'il écarte toi nèg yo. C'est ambassadeur américain qui mandé ça à l'ancien ambassadeur qui était là yo. Qu'on y a là, l'autre quatre membres conseil yo, à savoir Fritz Jean, Edgar Leblanc et nèg CTA qui vient dans conseil là. Rappelez-moi dans le temps pour que mon gamba la vie, on veut avancer. Nèg CTA, rappelez-moi dans. Bam non nèg CTA et qui était avec madame Manega qui sauver cal dans conseil présidentiel là, représentant bourgeois. Bam non monsieur. Laurent Sensi, merci beaucoup. Laurent Sensi Fritz Jean, Edgar Leblanc, avec Chinois, Leslie Voltaire. Quatre nègres sont d'accord pour mettre trois nègres à côté. Sous recommandation blanc. Ils sont d'accord pour mettre trois nègres à côté. Et dans trois nègres, Gilles, avec Smith Augustin, d'accord pour à côté. Ils ne sont pas en rien. Jusqu'à ce que coup super et ILCC bail rapport final li sous ça qui passé a nego d'accord pour mettre à côté qu'on y a trois autres négociés Fidjian signé Leslie Voltaire signé Laurent Saint signé Edgar Leblanc pas signé c'est captia tu ça qui vous faites pour mettre trois négo à côté et dit nexo pas doit prendre décision pas doit rentrer là rien trois nèg qui mêlé dans un. C'est décision quatre nèg yo. Edgar Leblanc est d'accord qu'on a laissé à Tiabay. Edgar Leblanc comme madame li pas signé. L'autre trois nèg signé Edgar Leblanc pas signé. Là Edgar Leblanc pas signé qu'on a bagala pas ca effectif parce que les blancs ba coup d'état. Qu'on a qui ça nous qu'on Edgar Leblanc fait comme madame. Edgar Leblanc là chita avec ni Vertilé ni Gérard Gilles ni Smith Augustin. Edgar Leblanc dit nèg yo yo pa fon pa. Toi nèg sa ou ta pral kite conseil là pour mettre corps sous côté parmi lesquels deux là d'accord, Gilles avec Smith. Edgar Leblanc alchita nèg yo, li pa signé avec quatre lot yo pour faire nèg yo aller pour nèg yo mettre corps sous côté en attendant rapport ILCCA. Edgar Leblanc dit nèg yo rete là. La kembe yo comme président Andem Bagala yo pas sous côté à une seule condition Edgar Leblanc mandé nèg yo fòk yo fè retrait de
présidence tout notre là parce que pas oublier qu'il y a deux là yo ni Gilles d'Espirito Augustin en octobre là c'est l'état supposé remplacer Edgar Leblanc il m'a dit ni Gilles ni Espirito Augustin l'a fait arrêter il pas signé l'a fait arrêter dans CPTA moyen que eux même yo renoncé à présidence pa yo pour balil mais qui dit Edgar Leblanc gagné à deux nèg ça yo dit deux nèg là fait arrêter la CPTA mais et ça fait le pas signé avec toi l'autre nèg yo pour qu'il t'a fait 4 pour toi nèg ça yo aller Edgar Leblanc et magouille lié tout il mandé négro pour le président. Il dit donc pour celui qui est président, il va la présidence tout net. Smith a bal mandat pal 5 mois et puis Gilles a bal mandat pal 5 mois, ça fait 10 mois, plus pal là ça fait 15 mois. C'est ça et ça le blanc mandé. Pour toi négro dans CPT. Mais qui ça cap déroulé pour pays à mes amis. Mais qui moun cap Mais qui moun cap C'est là ça que le pays a là. Et là, c'est ça pays a là. Son honte nationale pour nous. Nous avons deux délégations qui représentent Haïti pour même cause. L'autre là fait mettre dame ni pour une pause. C'est là que l'école soit libre aller et puis menti. C'est filer la faufile l'école pour bloquer l'autre là. Pour aller prendre place. Là, il connaît. Et puis, blanc yo débarqué dans le conseil là. Ambassade américain même mandé pour mettre trois messieurs au déo. Elle dit peuple haïtien pas long mettre. Tout dirigeant politique nous d'accord c'est bon. Pas dit d'accord parce que c'est blanc créé c'est PTA. Pas nous d'accord c'est blanc te bacar comme fait le boulot. Tout dirigeant politique haïtien nous d'accord que c'est les États-Unis qui mène Cap mené pays. Tout dirigeant politique. Yo d'accord, yo adhéré avec, yo adhéré à projet et yo marché tête en bas en dans projet. Pour nous pays ça côté le sorti. Bon qu'on a qui est-ce qui sous ban? Bon nek ça là pour aller qu'on a qui mon dans sous ban pour venir passer yo, Major Michel. Bon là qui l'obé du bois là. Major Michel on remblé, on zinyez. Qui a tout problème par lui-même. On a les cap chauffé sous bas pour venir passer Gilles. Bon, pas nous mêler. Nous mêler. Nous mêler avec pays ça. On a toutes les autres agarres qu'on y fait là. Et, bon, nek, monsieur Nek qui pas. Nek qui prend refus, pas venir visa, il faut que nous remettre l'argent. Faut nous remettre l'argent. L'argent et. L'État haïtien est en train de nous. Son monde qui voulait dire nous ça là. Nous tout nèg qui dans le passeport officiel nan mais comme nèg pas joine visa. Mais tout nèg qui dans le perdre yam nan mais gen deux nèg seulement pas encore perdre yam nan sous 6. Après ça tout l'autre 4 nèg pas encore. Faut aller mettre comme là monsieur. Parce que nous pas parti. Nous pas parti, faut nous remettre cobla. On a nan qui parti yo, nan qui te gen pour parti yo. Bamba nous qui est-ce qui aller. Sénat Jean Daniel. Amazon Charlie avec Covington Jean, mais Covington n'a pas l'autre bola vivre lui même. Nexayo parti. Bon garder tellement.
nègre ça a parti hier à 10h50 dans vol JetBlue. Il arrive JFK à 2h44. Je descends dans terminal 5. J'étais dans la 16D. En major Charlie était dans la 16E en avion. Je suis un photographe, Amazon Charlie, photographe et nouveliste. Tout en dans nous là même. Tout le monde dans nous. Pour me battre tout le monde dans nous là même. Parce que j'ai trop sous. J'ai une fausse sous nous même. J'ai un faux sniper non. C'est itinéraire que je m'appelle là. Ouh, il y a un petit homme qui est pour la République. L'autre n'est pas à l'imètre comme là, monsieur. Quand nous avons près de $3,000 américains, nous allons à l'imètre. Et nous ne pas partir. Passeport officiel là, il est déjà, mais. Mais pas banou parce que c'est là les portes pour te banou yo les pour tourner pour te prendre mais qu'on a là qu'on a ça me pas comprendre Nesmi Maniga qui c'est chef cabinet Gary Conny prend refus sous visa sous passeport diplomatique là Nesmi parti là c'est sous visa normal lui sous passeport diplomatique là yo ban Nesmi Maniga refus yo pas ban Nesmi visa sous passeport diplomatique non. Le pays a tellement de cafés politiques, le pays n'a tellement pas représenté rien. Il n'a pas voté rien. Je comprends? Non, Edgar Leblanc, Edgar Leblanc va connaître des nègres, mais il n'y a pas d'affaires Edgar Leblanc. Il n'y a pas de délégation Edgar Leblanc. Non, Edgar Leblanc, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de diable. Il n'y a pas de délégation Kouni. Bon, je dis que nous avons un. Nous avons perdu un million de dollars. Nous avons un passeport officiel, tout est fait. Le passeport officiel, c'est l'aéroport là où nous avons perdu. Et puis, nous avons une délégation officielle du gouvernement. Le gouvernement a perdu un million. Nous avons tourné à Haïti, nous avons un passeport là encore. Le passeport officiel là, il n'y a pas. Je vais vous montrer un hôtel que vous dépensez. Je vais vous montrer bientôt. Oui, Covington, c'est résident américain. Je connais. Je vais vous montrer déjà l'autre. Bon. Mais il y a quitté Boston pour aller. Il y a arrivé lui-même. L'autre, il y a tout le monde qui est arrivé. Il y a arrivé tout. D'ailleurs, je vais vous montrer un vol là. Et. Je suis itinéré tout le monde qui est allé là même là dans le téléphone. C'est un cachette qui n'a pas fait là encore. Désormais. On joue à l'histoire avec le gouvernement, montrer au gouvernement, pas faire la cachette. Tout le monde qui est allé avec le mais il n'a pas fait la cachette encore. Avec désormais, il n'a pas fait la cachette. Désormais, il n'a pas fait la cachette. C'est l'agence sans souci qui fait billet. Septembre 2024 pour 28 septembre 2024. Bon, regardez qui les nègres ont tourné. Je vais tourner. Bon, regardez-moi. Je vais tourner. Bon, moi. Je vais tourner samedi 28 septembre. Et vol JFK. 6h du matin pour au Prince Haïti 9h50. Distance 1522 miles. Terminal Toussaint Louverture International Airport. Et ça arrive, nous avons venu samedi. Nous avons venu avec Gary Conny. C'est toi,
Sénat Jean-Daniel, Amazon, Amazon Charlie avec Covington Jean. Covington Jean lui-même, c'est l'Aptoun Haïti. L'idée à l'autre bois, mais l'Aptoun Haïti. Place lui, c'est 16F. Je suis venu à la maison. Afin nous prendre pause, n'a fait équilibre, nous l'ami qu'on a fait équilibre à menti. N'a fait gouvernement et pour nous prendre responsabilité nous dit dans gouvernement. Et ça fait les mon a fait manifestation, ou on a propose communauté là derrière là, en 50 en trentaine, en quarantaine qu'on a menti oui, c'est pour gouvernement à travailler. En cinquantaine, parce que nous empêcher peuple à revendiquer, peuple a vienne dégoût. Peuple a gen dégoût. Mais c'est en bas, n'a fait avec le gouvernement, puis nous propose nous nous c'est presse indépendant. Désormais même décréter la permanence dans Bounda nous. C'est pour nous faire toute bagarre en transparence.